Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée. Mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. Set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. C'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre et moi, je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussmann la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Stiles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran. Mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Catherine. Zussmann, 3 fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussmann. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. Aiello a de la férocité à revendre. Mans disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh! Briefing à 18h, on est en retard. Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer, qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les Boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Zussmann. En marche! Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans.
Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir t'attendre qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous enterrez pas sur la plage. Vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous. En toutes circonstances et partout. Allez, ça va être leur fête, les gars. Les plages ont bien été pilonnées, hein? Tu as peur, soldat? Non, monsieur. Tu devrais. Daniel, y a du feu? Bien sûr. Alors, jusqu'à la digue! Il faut qu'on atteigne ces bunkers! Daniels! Souviens-toi de ton entraînement! Ramasse-moi ce pétard! Tu peux le faire! Oui, chef! Oh, mon Dieu! Bouge-moi!
cette torpille, je vais te couvrir! Dès que ça pète, on fonce vers les bunkers! On y est presque! Tire! Tire! Ça va exploser! Allez! Préparez à... On y va! On y va! On y va! On y va! Tiens, utilise ça! Merci, l'ami! Avancez, avancez! Ok, c'est parti! Ouvriez la voie et nettoyez ces bunkers, allez! Aveuglé, en avance!
vague d'assaut ne passera pas. Grenade à envoyer. J'envoie une grenade. Richard. Mes jambes! Oh merde! Sors-moi d'ici, putain! On va te sortir de là, reste avec moi! On doit rejoindre ce PRB! À ta gauche! Attention!
Il a son compte, on continue! On peut pas rester là! Ah, je suis là! Putain! On peut descendre par là! Je suis là! Contente-toi d'appuyer sur la plaie. Ah, on y est presque. Venez, par ici, allez, allez. Ok, accroche-toi. Infirmier. J'ai besoin de morphine. Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai? Mais bien sûr. Je peux rejeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, non, non. Tu dois pas t'endormir. Daniels! Je suis là. Aide-moi. Bordel, qu'on fasse venir un infirmier! Je m'occupe de lui. Vas-y! Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez! Il y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage. En route! On viendra te chercher. Vérifiez vos munitions et vos grenades! C'est compris! Direction la route! On y va! Daniels! J'ai des munitions! Tiens, soldat! Allez! C'est aussi long que des limaces! Tenez-vous prêts à attaquer dès qu'on arrivera à la ferme! Allez, dépêchez-vous! Il quitte la place! Mettez-vous à couvert! Visez cette mitrailleuse! Non,
fumigène! Ils arrivent! Daniels. Allez les gars, rendez-vous au point de ralliement. Pearson! Il me faut un bilan des pertes. On a perdu beaucoup de soldats. On a pris la plage. On l'a payé. Daniels. Assez fort. Bordel, je pensais avoir tout vu. Il va s'en tirer. Ouais. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Tout ira bien. Je sais pas quel abruti a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre l'Europe, mais il y a une chose qui est sûre. Il était pas sur la plage avec nous ce matin.